Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Dans le numéro précédent, nous vous avons présenté l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers, une école très, très innovante. Au cours donc, de ce numéro, nous avons vu une jeune fille qui a co-créé la sonnerie automatique. Et dans ce numéro, c'est la suite logique de ce dont nous avons parlé la dernière fois. On va revenir d'abord sur le reportage de cette jeune fille qui a co-créé avec son camarade la sonnerie automatique avant de revenir sur ce plateau. La sonnerie sonne 4 secondes, le début et la fin de chaque heure. Nous avons une lampe. Sonnerie automatique, feu tricolore et lampadaire et portail automatique. Des projets scientifiques réalisés par des jeunes élèves de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM, une école scientifique technologique panafricaine. Ces trois réalisations viennent censurer le parcours scientifique de ces lycéens et collégiens. Moi, j'ai travaillé sur le projet de sonnerie automatique. Donc là, c'est pour éviter qu'un élève en prof ne se lève pour aller sonner à chaque fois. Il nous a suffi d'écrire un code dans un logiciel appelé Arduino où on a mis l'heure, l'emploi du temps. Nous sommes très heureux. Ça veut dire que je peux faire quelque chose de moi-même. Vu que c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle, j'aurai donc sur ce plateau les camarades de cette fille-là que vous avez vue. Eux aussi ont fait leur soutenance et un d'entre eux a co-innové, créé et soutenu la sonnerie automatique avec cette jeune fille que vous avez vue. Débat thématique, c'est dans un instant. Je suis sur ce plateau avec trois élèves. Tous sont de OPEM. OPEM, je le rappelle, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. De ma gauche vers ma droite, j'ai Dorcas. Elle a réussi brillamment à son probatoire série D. Et à la rentrée prochaine 2021-2022, elle fera la classe de terminale. Mademoiselle, bonsoir et félicitations. Merci, bonsoir. Vous êtes combien de filles dans votre classe? Nous sommes trois dans notre classe. Trois filles dans votre classe. À l'extrême gauche, c'est Ryan qui a co-initié la sonnerie automatique que vous avez vue tout à l'heure. Ryan, bonsoir. Bonsoir. Tu as réussi avec mention très bien au BEPC et tu feras la seconde l'année prochaine. Oui, c'est quelle seconde? Seconde E. Seconde E. OK. On verra, seconde, la série E, pour beaucoup de Togolais, la série que beaucoup ne connaissent pas, mais nous aurons l'occasion tout à l'heure de savoir ce qu'on peut devenir à partir donc, de cette série E. Alors, à l'extrême droite, j'ai Fidèle. Fidèle, il a soutenu aussi, comme la fille que vous avez vue tout à l'heure, sur un portail automatique. Nous allons le voir dans un instant. Fidèle, bonsoir. Bonsoir. Toi aussi, tu as réussi brillamment au BEPC, avec mention très bien. Oui. Tu vas faire quelle série en seconde l'année prochaine? L'année prochaine, je compte continuer avec la série E au lycée. Alors, comme je le disais, la série E, elle n'est pas très connue de tous. Nous allons demander au DG de OPEM, parce qu'il a fait la série E, on voudrait bien qu'il nous explique. La série E, c'est une série complète. Je ne fais pas la promotion de la série E parce que j'ai fait la série E, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est le développement. Et pour développer, il faut l'industrie. La série E, en fait, c'est une combinaison de la série C avec de la technologie. Donc, on fait toutes les matières qu'on a en C, c'est les mêmes coefficients qu'on a en mathématiques, en physique, que les élèves de la C. La seule différence, c'est qu'on n'a pas des cours de SVT. Mais à la place des cours de SVT, nous avons 6 heures de dessin technique, nous avons 6 heures de construction mécanique, en fait. Donc, ces 12 heures sont des heures qui viennent s'ajouter, en fait, à la série C. Et donc, la série C est une série vraiment complète pour celui qui veut se lancer dans l'ingénierie, que ce soit en informatique, que ce soit en mécanique, que ce soit en électricité, que ce soit en électronique. La série C, c'est pour moi la meilleure série dans le domaine de l'industrie, en fait. Vous avez des bonnes bases en mathématiques et en physique parce que vous avez le même chapitre, c'est même beaucoup plus évolué, beaucoup plus développé que la série C, en fait, dans le domaine mathématique et de la physique. Souvent, sur les épreuves, vous avez
série CE, les épreuves de bac, je veux dire, en fait. Vous avez bac CE. En dessous de l'examen, de la feuille, vous avez spécial E. Et donc, ce sont, il y a des domaines, par exemple, quand je prends la géométrie descriptive, par exemple, c'est des choses, ce sont des disciplines qu'on ne voit pas en C, mais que nous voyons en fait en E. C'est vraiment une série qui prépare le jeune en fait à une carrière d'ingénieur de haut niveau. On a projeté tout à l'heure la sonnerie automatique que vous avez créée. Alors, dites-moi comment ta camarade hein, l'avait un peu expliqué, mais tu vas nous rappeler un peu comment l'idée vous est venue d'aller à créer cette sonnerie automatique et en faire une soutenance devant les parents hein, et d'autres invités ce jour-là. Oui, l'idée m'est venue quand j'étais en cinquième. Donc je sifflais, comme ça se fait au Togo ou en Afrique, dans les autres écoles. Jusqu'à ce que je me demande si ce n'était pas possible d'automatiser le sifflet pour qu'il puisse sonner quand il est l'heure. Comme ça, je ne vais pas sonner à chaque fois. Puis après, je me suis présenté devant le DG et je lui ai proposé l'idée. Donc il m'a dit que c'est une bonne idée qu'effectivement on peut réaliser. Vu qu'on a fait beaucoup de cours de programmation et de technologie, ça nous donne les capacités de réaliser le projet. Et c'est ce qu'on a fait. Moi et ma camarade, effectivement, on a réalisé le projet en 2 semaines. Nous avons appris au cours de l'émission précédente que tous les élèves, hein, ceux que nous avons reçus la dernière fois et ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui, ont fait une soutenance. C'est ça qu'on appelle la certification OPEM. Alors, on veut bien comprendre parce que quand on parle de certification OPEM, il y a la certification A, il y a B, il y a 1, il y a 2. En tout cas, pour que nous n'ayons pas vraiment une certaine confusion dans notre tête, on a demandé au DG de OPEM de nous clarifier. Nous sommes tous conscients qu'en Afrique, le taux de chômage commence à élever. Et ce chômage ne touche pas seulement des gens qui n'ont pas fait des études, mais des gens qui ont un bac plus 3. Mais vous vous retrouvez dans nos universités des gens qui ont une licence fondamentale et même une licence professionnelle, qui n'ont fait qu'écrire sur une feuille pour avoir un document, en fait. Mais ces gens, ils ont quelles compétences? Donc, nos évaluations sont purement des évaluations théoriques. Le concept OPEM, je le dis souvent, c'est 18 années que j'ai passées pour repenser à un système éducatif qui conduira le continent vers le développement. Donc, déjà, au BEPC, nos élèves font une évaluation théorique qui est le BEPC officiel, mais une évaluation pratique qui consiste en fait à faire une soutenance, donc à développer un projet. Il y a un cahier de charges pour ce projet. Il faut que ce soit un projet innovant. Il faut que ce soit un projet, je dirais, authentique, qui doit conduire en fait à la création d'une entreprise et à pouvoir engager des gens. Il faut que ce soit un projet qui résout un problème de la société, en fait. Donc, ça, ce sont les paramètres nécessaires. Et donc, au BEPC, l'enfant qui s'inscrit à OPEM en 6e, en 5e, il fait le collège sciences et technologies et il passe l'évaluation théorique qui est le BEPC pour nous et une évaluation pratique qui est la certification OPEM 1. Donc OPEM 1 se passe après le BEPC. Maintenant, ceux qui continuent en fait après le BEPC, ils rentrent au lycée technique de qualification. Ils font généralement un baccalauréat F3 ou un baccalauréat série E. Et donc, après le baccalauréat, ils passent la certification OPEM 2, qui est également le développement de projets, mais vraiment beaucoup plus élevé en fait que ce que font la certification, les élèves de la 3e en fait, en certification OPEM 1. Donc, OPEM 1 au BEPC, OPEM 2 au baccalauréat. Maintenant, les élèves qui ont fait le collège dans d'autres établissements et qui viennent à OPEM, ils commencent la seconde chez nous. Et en première, après avoir passé le bac D ou le bac C, ils font la certification OPEM A. Donc le bac D et le bac C sont des évaluations théoriques. Maintenant, les acquis qui sont basés sur l'intégration du programme européen dans le programme togolais, à savoir la programmation DAO, la technologie DAO-CAO, la programmation Scratch et Arduino, et les laboratoires qu'ils font en chimie, en physique et en SVT, donnent à ces élèves durant 2 ans des compétences que nulle part ailleurs, ils n'ont, en fait, du moins au Togo, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont cette évaluation pratique et qui leur permet d'avoir la certification OPEM A. Ces élèves arriveront en terminale et ils auront la certification OPEM B, qui également est un projet.
Donc après le bac 2, les élèves qui sont rentrés à OPEM en seconde vont présenter une certification OPEM B qui est le développement d'un projet, un projet qui doit pouvoir fonctionner comme la certification OPEM 1. Donc voilà la clarification en fait sur les certifications à OPEM. Voilà, nous avons bien donc écouté le DG de OPEM. Maintenant, on a maintenant très bien compris, quand on parle de certification OPEM, de quoi, comment ça se passe. Fidèle, comment l'idée t'est venue de créer ce portail? Parce que ton camarade, lui, il a dit comment il en est arrivé là, et il a co-créé avec sa camarade. Et toi, à ton niveau? Donc moi, j'ai travaillé seul sur le projet. Donc, d'abord… Le projet de portail automatique. Le projet de portail automatique, mm-hmm. Effectivement. Donc, je dois le rappeler, à OPEM, c'est l'excellence et le prestige. Donc, l'enseignement qu'on reçoit à OPEM nous permet de distinguer et d'identifier des problèmes de la vie courante, de l'environnement et d'y apporter des solutions. Donc, souvent, moi, mon père rentre souvent à des heures tardives la nuit. Donc, il klaxonne pour que mon frère ou moi vienne ouvrir le garage. Des fois, on rentre en famille dans la voiture. Et on est soit obligé de descendre parce qu'il n'y a personne à la maison pour ouvrir le garage. Et des fois, dans les pires des cas, on rentre en famille, mais il y a la pluie, il pleut. Donc là, on a la contrainte de descendre de la voiture pour aller ouvrir le portail du garage. Donc ça, c'est les problèmes qui m'ont incité à vouloir réaliser le projet. Donc l'idée m'est venue d'automatiser le portail un peu comme on allume un poste télévision avec une commande. Donc j'avais déjà reçu des cours de programmation depuis la classe de 6e et depuis la classe de 4e, on a commencé la programmation sous Arduino. Donc quand le DG nous a demandé de présenter des sujets de certification, j'ai voulu réaliser le projet. Donc c'est un projet très très intéressant parce qu'il intègre plusieurs domaines, à savoir la programmation sur Arduino, le codage, la mécanique. Je peux citer l'entraînement par un moteur, réducteur à vis sans fin avec une crémaillère et aussi le domaine de l'électricité. Tout à fait. Le câblage et tout. Nous retenons de toute façon de ce qu'il vient de dire que les sources d'inspiration viennent de ce que l'enfant observe. Ah oui? Quand l'enfant peut observer, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou dans la vie courante, eh bien, il observe un problème et il se dit non, je peux créer, je peux inventer, voilà, et je peux automatiser pour faciliter la tâche hein, à la vie de toute façon. Et donc, on va suivre Fidèle dans cette démonstration ce jour-là où il a reçu sa certification OPEM. Pour appuyer mon diplôme de BEPC, donc j'ai passé ma certification. J'ai élaboré un projet portant sur un portail automatisé. Donc avec une télécommande, on peut actionner le moteur pour permettre l'ouverture et avec une autre touche, on actionne la fermeture. 2 semaines pour la réalisation, le montage, le câblage et tout. Conduire l'élève à une réflexion continue dans le domaine scientifique et allier les besoins du savoir-faire au programme normal de l'école. Une vision des premiers responsables pour apporter un plus au système éducatif togolais. L'unique fille qui nous a fait honneur cet après-midi hein, en se présentant sur ce plateau, mademoiselle, vous avez fait la série D et vous avez reçu brillamment au baccalauréat première partie, c'est-à-dire le probatoire, et l'année prochaine vous ferez la terminale. Dis-moi ton parcours à OPEM. Tu as commencé en quelle classe à OPEM pour être l'année prochaine en terminale? J'ai commencé ma première année à OPEM en seconde. Donc je suis dans ma 3e année cette année. À OPEM, effectivement, quand on était venu, on avait eu à suivre des cours de renforcement parce que nous sortons de l'école oui. Publique où il n'y a pas d'autres certains éléments ouais, que vous. Voilà. Donc nous avions eu à suivre des cours de renforcement pour pouvoir mieux maîtriser le concept OPEM. Donc on a eu à suivre la programmation qui est le codage en Arduino. Également, nous avions eu à faire de la technologie qui consiste à faire des conceptions en AutoCAD et autres. Donc c'est grâce à cela que j'ai eu à maîtriser un peu le concept OPEM. Est-ce que tu t'y connaissais en informatique avant d'arriver à OPEM? Non, pas tellement. À OPEM, on a eu à faire le codage, ce que je ne connaissais pas avant. Donc actuellement, je suis capable de pouvoir écrire un programme en Arduino
et également en technologie. Je dirais que c'est facile parce qu'il suffit d'avoir la volonté, d'avoir la volonté d'étudier et de s'appliquer. Parce que sans cela, on ne peut pas s'intégrer dans le concept OPEM. Ok. Alors, Ryan, toi, tu te dis, nous, ton parcours à OPEM, tu as commencé en quelle classe là-bas? Moi, j'ai commencé OPEM en sixième. Ça va faire, je suis dans la quatrième année. Donc, j'ai débuté OPEM en sixième. Déjà, j'ai commencé la programmation en Scratch pour introduire le codage. Et puis après, en classe de quatrième, on a introduit Arduino dans la programmation. Donc, on a fait 2 heures d'informatique, de programmation depuis la classe de sixième et 2 heures en technologie. Dessin assisté par ordinateur sous AutoCAD et conception assistée par ordinateur sous AutoCAD aussi. On a aussi 3 heures de laboratoire où à la fin de ces 3 heures, on présente un rapport de laboratoire qui montre notre compréhension et notre maîtrise de ce laboratoire. Dorcas, quelles sont les matières théoriques? Tu as déjà parlé de tout ce que vous faites en pratique déjà. Alors, les matières théoriques que vous recevez, c'est lesquelles? Comme dans tous les autres établissements, nous aussi nous faisons les matières officielles, le CM, l'SVT, l'histo-géo, physique, mathématiques et autres. Jusque le concept OPEM est un peu particulier. Donc là, nous avions eu affaire de la technologie, comme je l'avais dit précédemment, bien sûr. Et l'informatique. Sinon, nous faisons également les matières facultatives, puisque pour nous qui sommes en classe d'examen, nous nécessitons des matières facultatives. Donc, on a eu affaire à toutes ces matières. Alors, ça veut dire que actuellement, à la fin, si tu veux faire la médecine, tu peux faire la médecine puisque tu as fait la D, c'est ça? Oui, évidemment. Tu peux faire de toute façon toutes les filières universitaires où c'est la série D qui n'ouvre que ses portes, c'est ça? Oui, je peux faire toutes ces matières. Surtout en SVT également, nous avions eu à faire des manipulations en classe puisque, comme Ryan l'avait dit, nous faisons des manipulations pour mieux comprendre et assimiler le cours. Les parents qui ont été invités à cette certification OPEM ont été épatés? Parce qu'ils n'ont jamais vu ce qu'ils sont allés voir là-bas. En tout cas, moi aussi, je n'ai jamais vu. Hein. Parce que là, moi aussi, je l'ai découvert ainsi, que les élèves sont capables de faire une soutenance qu'on appelle une certification. Et la soutenance, ce n'est pas un sujet pour aller faire, une revue documentaire pour venir bavarder. Non, c'est une démonstration d'une solution à un problème identifié, comme Fidèle l'avait dit entre-temps. Alors, donc... Comme les parents ont été véritablement émus et ils étaient vraiment satisfaits de leurs enfants qu'ils ont vus dans leurs prestations, on va écouter certains d'entre eux. Nous sommes l'un des parents qui ont commencé avec cette école. Et quand mon fils m'a dit, après son CEPD, qu'il voudrait venir à OPEM, j'ai tiqué. Mais j'ai dit, bon, comment tu as fait pour découvrir cet établissement? Il me dit que c'est le directeur lui-même qui est venu dans leur école. Moi, j'ai dit, bon, ok, on va voir. Et quelques temps après, le DG a organisé une porte ouverte. Et on a assisté, j'ai posé des questions. Et j'ai vu que toutes les réponses m'agréaient. Et c'est depuis là que j'ai pris une décision ferme que mon fils doit venir dans cette école. Évidemment, les débuts ont été très difficiles, mais petit à petit, quand j'assistais aux réunions des parents d'élèves, j'ai compris l'importance de cette école et aujourd'hui, je suis comblé. Ce que ces élèves viennent de démontrer, ça sort de l'ordinaire. On a eu le fruit de ce qu'on a semé. J'ai des parents aussi, des cousins, que je conseille aussi d'inscrire leurs enfants ici. Parce que déjà, ils étaient bien félicités. Déjà, à leur niveau, ils ont pu faire ce qu'on ne devait pas faire, mais ils l'ont fait. Donc, on les félicite et on les encourage. Dorcas, Ryan, Fidèle,
vos amis qui sont dans d'autres établissements et qui ont écho de tout ce que vous apprenez, alors qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? On va commencer par Fidel. Donc moi, j'ai plusieurs camarades qui ont aussi réussi à leur BEPC cette année. Donc, des fois, ils sont étonnés de savoir qu'on fait ces manipulations, ces projets dans notre école. Ils se demandent, mais combien de temps on a à faire les cours qu'ils font chez eux dans leur école et pour ensuite compléter avec ces projets, ces manipulations et tout. Et je leur réponds souvent que c'est l'environnement éducatif qui permet tout ça. Donc, l'environnement dans lequel on est au PEM nous permet de faire, par exemple, de terminer, par exemple, un chapitre, que ce soit de SVT, de mathématiques, de le terminer en 4 heures. Or, dans une autre école, par exemple, on peut terminer ce chapitre en 5 heures. Parce qu'à OPEM, il y a des points qui nous facilitent un peu le déroulement du cours, tels que le nombre. On n'est pas nombreux en classe, ce qui permet que le cours est assez interactif. Et on fait souvent des manipulations, à dire des laboratoires sur des chapitres qui nous permettent un peu d'assimiler vite le cours. Et ainsi, le cours se déroule assez interactivement. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de découvrir les secrets, en réalité, les vrais secrets qui permettent donc à ces enfants d'être excellents. Voilà. On a besoin que nos enfants qui sortent de l'école togolaise soient des enfants excellents. Et s'ils sont excellents, eh bien, ils vont facilement compétir et pouvoir être, comme on l'a dit dans l'émission dernière, des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois. Voilà. Une année, c'est le gouvernement qui avait lancé un concours pour recruter les enseignants pour les ENI. On cherchait 1000. Oui, on cherchait 1000 candidats pour commencer la formation. Les dossiers, ça faisait combien? 30 000. 30 000 dossiers. Alors que s'ils avaient eu cette chance, voilà, d'avoir une telle formation, ils n'allaient même pas déposer les dossiers, ils allaient créer. Alors, la même question, vous, Dorcas, vous aussi, vous avez des amis, vous avez des camarades. La preuve, tu n'as pas commencé à partir de la sixième, comme tu l'as dit. Voilà. D'autres qui ont eu écho hein, de ce que tu. De ce que vous faites là-bas. Je veux parler de tes camarades et de tous ceux qui, des curieux qui veulent savoir les secrets de votre réussite. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent? Fidel l'a dit, ouais. La plupart d'entre eux sont souvent étonnés, pensent que ce que nous faisons, c'est très difficile. Mais en réalité, ce n'est pas si difficile comme ils le pensent. À OPEM, nous avions cette compétence pour faire les pratiques, les manipulations comme il a fait. Également, à OPEM, il y a ce club plutôt dénommé ouais. La jeune fille africaine et les carrières scientifiques. Donc, dans ce club, nous avions à faire, nous, les filles, une réunion entre nous et faisons des. Et, comment dire? Qui a initié ce projet? C'est le DG. Le DG. Ouais. Mm-hmm. Donc, là, nous tous, les filles qui sommes dans l'établissement, nous avions eu à travailler avec les profs pour pouvoir subvenir à nos manquements dans la classe. Mm-hmm. Comme des cours de soutien qu'on vous ouais. donne en quelque sorte. Donc mm-hmm. là, elles ont cette maîtrise de la science, puisque nous avions à manipuler, à faire autant. Je pense que les autres filles qui auront à s'inscrire à OPEM auront également cette chance comme nous. Merci Dorcas. Je suis curieux de savoir pourquoi le DG a estimé mettre en place la jeune fille africaine, c'est un projet de soutien à cette jeune fille. Je veux comprendre comment il en est arrivé là, pourquoi il a jugé que c'est vraiment important de le faire. Voilà, nous savons aujourd'hui que la tendance, que ce soit au niveau national ou mondial, c'est d'encourager les filles de toute façon à exceller, voilà, et à ce que elles soient décomplexées quand elles seront dans un groupe où il faut confronter les connaissances, confronter les capacités, etc., etc. Oui, nous savons cela, mais on veut savoir davantage sur cette initiative qui a été prise par le directeur général de OPEM en ce qui concerne la promotion de la fille dans cet établissement. Il y a une chose que nous ignorons souvent, en fait, surtout nous les hommes, les sciences, les disciplines scientifiques et les carrières scientifiques sont souvent vues
comme étant des matières machistes, si je veux dire. Les filles aussi pensent que quand on parle de mathématiques, physique, électricité, mécanique, c'est pour des hommes. Mais loin de là, vous devez savoir que les filles sont beaucoup et de loin beaucoup plus précises que les hommes dans les carrières scientifiques. En Europe, il y a plusieurs entreprises qui cherchent des ingénieurs, mais ces entreprises préfèrent des ingénieurs filles ou femmes que des ingénieurs garçons. Parce que c'est clair, c'est établi que dans le domaine scientifique, les filles sont beaucoup plus précises. Je vais vous donner une preuve, par exemple, à OPEM. À OPEM, au bac 1, par exemple, la première de la classe, celle qui est sortie avec mention B, c'est une fille. En seconde, la première, pour passer de la seconde en première, c'est une fille qui est issue de moyenne. En quatrième, la première qui passe de la quatrième en troisième, c'est une fille qui a 19 de moyenne. Et en sixième, je dirais pratiquement, ce sont deux premiers, le premier et la première, qui ont 19 de moyenne, qui passent en sixième, en cinquième. Et en dehors, partout, quand vous voyez aux États-Unis, en Chine, même en Europe, en sciences, les filles sont vraiment très avancées. Donc ici, c'est de faire la promotion de la fille dans les carrières scientifiques. C'est bien de faire la coiffure, la couture, la cuisine. Je ne dis pas que ce sont des mauvais métiers, mais les filles doivent exceller. Les filles togolaises et surtout africaines doivent exceller. Et c'est en cela que j'ai créé ce projet, ce club, la jeune fille africaine et les carrières scientifiques, où le premier samedi de tous les mois, les filles se regroupent à l'école. Et en fait, avant d'aller à l'école, en fait, elles choisissent les matières dans lesquelles elles ont des difficultés. Ça peut être en informatique, ça peut être en technologie, ça peut être en chimie, en SVT, en physique ou en mathématiques. Donc elles mettent ça sur un papier et il y a une femme qui les guide en fait et remet ça à la dame. Et donc la dame prépare le travail avec les collègues et tous les enseignants se réunissent ce samedi-là pour aider les filles en fait. C'est ce qu'on appelle une discrimination positive, afin de les permettre en fait de trouver beaucoup plus facile des solutions à leurs problèmes. Et ça donne vraiment un bon résultat. Ce challenge, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir étendre pour pouvoir encourager en fait les jeunes filles du Togo en fait à s'inscrire dans les filières scientifiques pour devenir demain, comme Dorcas l'a dit, des grandes chercheuses, des ingénieurs qui doivent pouvoir développer des projets dans le domaine de développement national. Merci Monsieur le Directeur. Aujourd'hui, Ryan, qu'est-ce que tu as dans ton tiroir comme projet à concevoir et à vendre? Souvent, quand je me balade dans la rue ou quand je passe, je remarque que les grands immeubles en vitres sont trop sales. Et parfois, à leur nettoyage, il y a des gens qui se mettent sur des cordes pour les nettoyer. Mais ces gens courent beaucoup de risques parce que la corde peut toutefois se desserrer peut-être, ouais, et ils vont tomber et mourir. C'est un grand risque. Donc je crois qu'on peut peut-être fabriquer un robot pour nettoyer à leur place. Et comme notre DG le disait, c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui va faire ce qu'on va créer. Voilà, qui vous inspire. Qui nous inspire en fait. Donc je compte créer un robot qui va nettoyer à leur place les vitres parce que c'est dangereux que des personnes grimpent. Peut-être que c'est 100 étages ou 200 étages, voire. Ouais, genre hôtel de février voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, je compte créer un robot qui va nettoyer à leur place. Et en créant ce robot, je crée mon entreprise. Et quand je crée mon entreprise, je vais embaucher des gens. Tout à fait. Et en embauchant, ça réduit le chômage. Donc, ça... Je participe en fait au développement du Togo. Et à la réduction du taux de chômage. Oui, à la réduction du taux de chômage au Togo et en Afrique. Tout à fait. Quels sont les projets qui trottent dans ta tête pour soutenir demain et pour vendre à la population togolaise et au monde entier, voilà. Moi, je dirais que j'ai plusieurs projets à faire. Et surtout, j'aimerais devenir ingénieur en génie civil. Parce que déjà, la technologie que nous faisons nous offre cette opportunité de maîtriser ce que les ingénieurs qui sont actuellement de grands ingénieurs, ce qu'ils font actuellement, de les maîtriser. Donc moi, je compte m'intégrer plus dans le génie civil pour pouvoir faire ce que les ingénieurs font. Ouais, pour pouvoir mieux. Est-ce que tu as un autre projet en dehors de celui-là? Parce que l'idéal pour un apprenant, c'est d'avoir plusieurs choix. Ouais. En priorisant, bien entendu. Voilà, donc ça veut dire que c'est ton premier projet professionnel, ça. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu as un second? Oui, si j'aurais à faire un second, je dirais que j'aurais aimé
être dans le domaine médical, puisque j'ai fait l'AD. Parce que AOPM, on a fait beaucoup de pratiques avec le prof d'SVT qui nous aide à mieux appréhender le cours. Donc déjà là, je dirais que je pourrais aimer être médecin. Voilà. En tout cas, les carrières de santé, on va dire ça comme ça. Voilà. Et quand on va rentrer dans, dans les carrières de santé, il y a plein de choses qu'on fait. Alors, Fidèle ? Oui. Je suis sûr que c'est la même chose, hein, comme tes camarades viennent de le dire. Tu dois avoir beaucoup de choses à vendre demain. Et tes carrières, ta carrière pour le futur et tes choix professionnels. Tout ce qu'on a eu à faire depuis le collège, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris, j'ai hâte de découvrir encore plus au lycée. Donc j'ai hâte d'aller en seconde et de commencer à réaliser de nouveaux projets. Donc je compte fabriquer un drone pour commencer. Et sur le plan professionnel, je vais faire la série E. Du coup, je vais me lancer dans le génie mécanique ou l'électromécanique. Donc, le second projet que j'ai aussi, c'est de créer une entreprise. Déjà, j'ai fait le projet sur l'ouverture et la fermeture automatique du garage. Donc, du coup, je peux créer une entreprise spécialisée dans l'ouverture et la fermeture automatique des garages. Donc, du coup, je peux engager des gens, je peux... faire des calculs pour savoir quels sont les organes nécessaires à utiliser pour installer ce dispositif sur des vrais portails métalliques, des entrepôts, des boutiques ou des maisons. Du coup, là, je crée mon entreprise et je commence à me faire des sous. Alors, fidèles téléspectateurs, comme nous l'avons dit, hein, à OPEM, on sort des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin donc, de cette émission et nous savons que la rentrée scolaire, elle n'est plus loin. Voilà. Et on veut voir, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos camarades, un message à l'endroit des parents. Voilà. On va commencer par l'unique fille qui est sur le plateau. Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est d'encourager. J'aurais aimé à ce que tous les parents encouragent et plutôt inscrivent leurs enfants à OPEM, surtout pour nous les filles. Parce que la plupart des filles pensent que les sciences sont des matières qui sont tellement difficiles. Moi, je pense que c'est archi faux. Parce que quand moi, je suis rentrée à OPEM, OPEM m'a démontré que c'est typiquement le contraire. Donc, j'aimerais à ce que toutes les filles comme moi puissent s'intégrer dans les filières scientifiques en vue de devenir des chercheurs, des chercheuses, des ingénieurs, des docteurs. En tout cas, toutes les filières scientifiques les métiers qui ont pour base les compétences en sciences et technologies. Ouais, donc, je lance cet appel à toutes les filles pour s'intégrer dans les filières scientifiques. Au bac, quelle était ta moyenne ou bien tu n'as pas encore pu le relever? Non, je n'ai pas encore eu le relever. Dans les matières de base. Ouais. Généralement, tes notes vont de combien à combien lors des évaluations à OPEM? Dans quelle matière? En SVT, par exemple, en mathématiques, en sciences physiques, par exemple. Vos matières de base. Donc, j'ai souvent 17, 15 en allant. 15, 17. Oui. Ouais. Et en mathématiques? En mathématiques également. 15, 17. Ouais. Très bien. Ça, c'est un vrai bac D. Maintenant, nous sommes avec Ryan. Aujourd'hui, au Togo, nous avons beaucoup de besoins. Pour subvenir à ces besoins, il est important de s'inscrire au PEM pour innover, pour créer, comme on a fait beaucoup de projets, pour apprendre la programmation et la technologie. Parce qu'aujourd'hui, le monde est informatisé et il faut se former sur l'informatique. Et c'est ce qu'on fait au PEM. Merci à Dorcas, à Fidel, à Ryan, et merci au DG de OPEM aussi qui nous a éclairé sur beaucoup de choses. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission. Nous estimons que ce qui nous a été démontré, que ce soit dans la première émission ou dans la deuxième émission, c'est de ça que les parents ont besoin. C'est de ça que les enfants ont besoin pour que ça ne devienne pas un souci pour même celui qui a eu le diplôme et que le problème du chemin ne devienne pas un souci aussi pour les parents et même pour l'État. Donc, c'est sur ce mot que nous disons merci à tous mes invités. Merci aussi à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.